Bonjour à tous, bienvenue dans votre agenda, voici ce que nous vous proposons cette semaine. Nous débutons cet agenda par un concert de musique classique, proposé par l'aumônerie militaire du 13e bataillon des chasseurs alpins. Des œuvres de Bach, Vivaldi, Dvorak vous seront proposées et les fonds récoltés durant ce concert iront au profit des blessés de l'armée de terre de Chambéry. Cette représentation unique aura lieu le 24 mars à 20h30 et se déroulera à la Sainte-Chapelle du château de Chambéry. Pour plus de renseignements, vous pourrez vous rendre sur www.diocèseauxarmées.fr. Le sanctuaire de Notre-Dame de Grâce vous invite les 18, 19 et 20 mars au Triduum consacré à Saint-Joseph. L'occasion de vivre une eucharistie quotidienne composée de différents temps de prière. Chapelet, procession, adoration, vêpres ou encore veillée de prière. Les eucharisties se dérouleront à Saint-Joseph du Bessillon. A noter que la messe du 18 mars sera célébrée par Mgr Dominique Ray. Pour plus de renseignements, vous pourrez appeler le 04 94 69 64 90. Le sanctuaire de l'île Bouchard fête cette année les 70 ans du pèlerinage de l'île. Les festivités débuteront le 25 mars pour la fête de l'Annonciation qui sera présidée par Mgr Jacques Perrier. Une année de festivités qui atteindra son apogée les 12, 13 et 14 août pour l'Assomption, présidée par le cardinal Philippe Barbarin. Un spectacle sera aussi proposé qui permettra d'approfondir le message de Jacqueline Aubry. Pour en savoir plus sur les différentes festivités qui auront lieu pour cet anniversaire, vous pourrez vous rendre sur www.ilbouchard.com. Nos églises sont remplies de Via Crucis, ces chemins de croix qui égrènent de manière méticuleuse les 14 lentes et lourdes stations du supplice de la croix. Le service de la culture du diocèse de Monaco vous propose pour ce carême 2017 Passionis, une exposition de photos ayant pour thème le chemin de la croix. Les œuvres présentées sont celles du photographe Michel Granio. L'exposition qui se déroule à la chapelle de la Visitation a déjà commencé depuis le 3 mars et s'achèvera le 18 avril. Pour plus de renseignements, vous pourrez vous rendre sur le site internet du diocèse de Monaco à www.diocese.mc. Si vous souhaitez nous communiquer des informations, vous pouvez nous écrire sur agenda@ktotv.com ou sur l'adresse postale qui s'affiche sur votre écran. Nous nous quittons en musique avec « Tu es notre maître » de la communauté du Chemin Neuf. L'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une excellente semaine. Tu es le roi des rois, notre Dieu, Seigneur des seigneurs. Tu veux notre vie remplie de bonheur. Ton amour nous remplit de joie, nous élevons nos louanges vers toi, Jésus-Christ, notre Messie rédempteur. Comment ne pas te glorifier, louer ton nom, chanter tes merveilles. Comment ne pas des rois, notre Dieu, Seigneur des seigneurs, avec toi dans nos vies il n'y a plus de peur. Ton amour a fermi nos pas, nous élevons nos louanges vers toi, Jésus-Christ, notre Messie, le Sauveur.